J'ai de nouveau une flotte, hein, si vous voulez. Continue de l'AEP, continue de l'AEP. Ça y est, Duncan, tu as fait des vaisseaux. Putain, mais t'as plein de planètes pas colonisées chez toi, Duncan. Tu veux pas que je vienne mettre des robots chez toi? Je suis en train, t'inquiète pas, je suis en train. Ah, ça y est, t'as. Oui, je suis en train de coloniser aussi, parce que étant donné que je peux tout coloniser. Ça y est, là, c'est parti, full robot. Tout le monde va faire ce gameplay. Bah, maintenant que c'est clair que je bougerai plus, j'ai tellement l'impression d'être le petit pousset, je dirais, de la team. Mais non. Regarde de l'autre côté de la frontière, il n'y en a qu'un. Regarde mon magnifique nom, Rhododendrus Tentaculus Interstellar Confederacy. Après la première session, quand j'ai sauvegardé, j'ai vu le nom de l'AC, je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce nom de caca? C'est quoi ce truc? Je suis encore rentré de la maison après une soirée, j'ai joué. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah. Il fait vraiment chier, il a vraiment trop d'influence, Arlene. Il te mange. Ouais, il m'a coupé, je pensais pas que ça allait le faire. Ah putain, en effet! Bon, il y a deux systèmes, quoi. Bon, après, on va te dire la vérité, Rom, une fois qu'Arlanus a intégré Darfish, tu quittes la Fédé, moi je la rejoins. Il bascule. Ah, ok. C'est ça. Je me fais dans le banc, c'est ça? C'est ça. Non, t'as perdu, c'est tout. Je dis ça, tu te casses. Nous t'avons. Tu vas traîner jusqu'à la mort. Ça peut être très rapide, hein. Qui veut des minéraux chez moi? J'en ai 14 000 là. Moi, Rom. Quatrième session. Chouan ne se doute toujours de rien. Bon, bah c'est quand tu veux, hein. Ok, bah on y va. Ah oui, donc c'est moi qui vais prendre les coups, c'est ça? Bah, vu ta taille de flotte, ouais. Ah, ça veut dire que tu récupères le Dreadnought. Eh les gars, on va taper la forteresse énigmatique. Faut pas que j'aille tape en premier, rappelez-vous. Hein. On se donne rendez-vous à Kajam. La grande flotte! Mais... Oh 452 oh, c'est bon oh. Et Gavlov m'a trahi. Oh, gardien vaincu. Oh. La masse impérium de l'humanité a vaincu une menace. Je fais du plus 60 quand je bouge ma flotte. Et je suis en train d'améliorer toutes mes centrales au niveau 5. Donc je vais exploser en niveau énergie. Qui veut des minéraux? Moi je dis pas non. Taora, le mec de notre fédé, notre associé. J'ai pleuré. Et j'ai pleuré. J'ai fait un sacrifice à Wotan et ça n'a pas fonctionné. Amandine, pour qu'elle revienne. Et lui, il comprend rien. Bon, ça y est, je peux acheter mon scientifique. Ah, grâce à mes mille d'énergie. Oh, avec toi, Rome, je passerai volontiers les mille et une nuits. Oh, mais quoi? Mais pourquoi on prend Egavlov? On s'en fout. Quoi? Egavlov? Il a trouvé une fédé? Attends, tu crois que je prendrais un mec qui sur 3 saisons n'a pas prouvé qu'il savait jouer? Et en plus il vient en retard! Putain, mais pourquoi t'as accepté, singe? Dès que tu perds 5k, j'attaque, c'est ça? Non, vas-y, tu avec des amis comme ça. Engagé, c'est bon. Je suis en train de sauter aussi. Pensez au président de la flotte de fédé de commencer à faire des nouveaux modèles, hein, de navires. Oui, on va voir. J'ai perdu 5 croiseurs et 2. Vous l'avez déjà ravagé, non mais les gars, j'ai même pas le temps de venir voir quoi. Fallait venir plus vite, Pépé. Oh mais non, oh, mais pourquoi il a accepté Gavlov, putain? Il est mort! À mon avis, Chouan a prévu quelque chose avec lui. Ouais, ils sont tous en train de le défendre, ouais, ça sent le plomb foireux. On va le défoncer direct. Hein. Et les gars, vous voulez rigoler? Et Gavlov veut rejoindre ma fédé. Merci. Non, je lui ai dit non. Pourquoi? T'es un mort-vivant. Et parce qu'on vous casse la gueule, sinon. C'est clairement une déclaration de guerre vis-à-vis de nous. Ah non, et Gavlov, tu crèves. Il aurait pu m'en parler déjà avant, je lui aurais dit de pas venir, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, je pense que c'est à unanimité, hein, Duncan, Taora, vous êtes d'accord? Non, mais j'en veux pas du machin. Ah, bah oui. Alors, Chouan ne me répond pas, et Glass n'a pas enlevé ses outposts. Ah, je continue de chier du battleship, hein. Chouan, il colle l'Empire des Cieux qui est xénophobe. Non mais Chouan, il cherche la bite, tu sais. Ça y est, la forteresse. C'est bon, je peux étudier les technologies maintenant. Nice. Étudie, mon enfant. Ah, ya. Yeah. Non, le cristal de Mutagan, ça c'est parfait. Ah, putain. Hein. Ils ont quoi, mes outposts? Il dit, Glaps. Pathétique. Paraît que c'est du casus belli. Enfin, il paraît, hein. Il troll ce 4-7-4-1. C'est clair. Tu veux qu'on parle de mes plus 930 feet de minéraux par mois? C'est pas des coups, wow. c'est du vomi. C'est dégueulasse quand même, hein. J'ai honte. J'en fais que 200, merde. On peut commencer à se rassembler pour attaquer Egavlov. C'est ses gros doigts, ils ont ripé encore. Alors Taora, oublie pas, toi tu prends le loot que de la bataille spatiale, tout le reste est à moi. Je prendrai le maximum. Non, tu prends le loot de la bataille spatiale, tout le reste est à moi. Est-ce que quelqu'un a de l'énergie pour moi? J'en ai 9000. Oh putain, fais-moi un gros virement. Ah bon putain, merci pour l'énergie. Les conventions de recherche, non. Arlanus a craché? Ouais. Non, je suis là. Pourtant, ça vient de me dire que tu joues à Stellaris. Tiens, des minéraux. Ouais, je veux de la science aussi. Non, mais ça, c'est pas avec moi que tu vas en avoir. Hein. Je t'ai envoyé 10 000. File-nous la flotte de Fédé. Pour le moment, ils ont pas beaucoup de boucliers en face, donc fais pas les anti-boucliers en cuirassé. Ah, on peut attaquer. Dès que vous êtes prêts, feu. Hein. Je m'occupe de faire l'offre. Dans 9 mois, j'ai le Dreadnought. Oh putain, j'ai 12. Ah ouais, ok. Bon, 12 cas de minéraux. On peut que leur prendre 3 planètes. C'est tout? Enfin, non, là, vu que c'est des IA, il vaudrait mieux taper avec Gavlov, vu que c'est un humain. En fait, ça coûte cher, vu que Youngstar et Raviage ont que dalle en planète, en fait. Ah ouais, d'accord. Ah, ça y est, déclaration de guerre. Oh, bah, c'est parti. Votez. Ah, c'est bon? Ouais, votez yes. Bon, bah, go, je m'occupe de Raviage. Putain, ça va être ça, là. Il a 2600 de flotte, le pauvre. Ah, regardez, Gavlov vous a dessiné son anus dans le chat. Dans le système Zoo et Pro, je vais pouvoir coloniser 3 planètes en plus. Ouais, mais voilà, je peux plus faire de cuirassé, moi, là.
J'ai la flotte de Fedek. Oui, bah c'est plus important la flotte de Fedek que ta flotte. La flotte de Yunsar m'a fait 0 ding. Dans 56 mois, j'ai les lances à particules. Ça va faire du bien à ma flotte d'avoir des, ouais, de prendre de la longue portée. Moi, dans 68 mois, je vais avoir l'artillerie cinétique 2. Ouais, si voilà, vous voulez venir dans le système jouer Crow, il y a plein de débris à faire pour la tech. Oh, putain, j'ai encore 100 points de flotte à mettre dans ma flotte. Ok, je suis en train d'approcher le Dreadnought. Ça fait un beau joujou, ça, le Dread. Mais scientifiques, ils ont que 23 ans d'espérance. Je vois que tous mes scientifiques sont au moins morts une fois. Ouais, pareil, moi pareil. Hein. J'ai toujours mon premier dirigeant, le odieux Akatosh qui a 160 ans. Oh, 160 ans, là, le sodomite, quoi. Il est odieux ton machin. Ah oui, d'ailleurs, t'as mis à jour la flotte de Fédé, Duncan. Moi, je la vois au max, donc j'ai dû la recevoir au max. T'as combien de cuirassés 3H? J'en ai fait 5 direct, donc ça les construit là. Duncan qui est en train de. Ouais, qu'est-ce que tu foutais chez le déchu, toi? Bah, je l'avais toujours pas vu, alors du coup, j'ai envoyé un machin pour le voir. Bon, t'inquiète pas, tu vas bientôt le voir de près. Masmas, de là, ça a enlevé son autre poste. Il a fait pire, il a colonisé la planète. il a posé la planète. Masmas, je vois aucune artillerie cinétique dans la flotte de Fédé. Hein. Elle est intégralement laser. On va faire des nouveau template. Je vais prendre la capitale de Raviage. J'ai 3 planètes qui produisent plus 150 de minéraux. C'est dégueulasse. En bougeant ma fosse, je me fais que 150 de minéraux. Oh, j'ai les gigacanons. Je les recharge tout de suite. J'espère que ça les chie les cuirassés avec ce que je vous envoie. Merci. Là. Bon, bah, vous pouvez vous préparer à la guerre contre Chouan. On me dit dans l'oreillette, Duncan, que tu risques de grossir sur Glebs vide. Oh. Guerre. Ouh. L'Empire déchu qui a attaqué Chouan. Oh. Sérieux. Lequel Oh. Eh, bah, simple, les gars. Alors nous faut qu'on fasse taper le plus vite possible là, 70%. Il est tout complètement au sud, sud-ouest. Il est au sud-ouest. Et je dirais que Chouan l'a provoqué avec une frontière à... Regarde, nous on reste sur le plan, on va se faire le déchu sans risque de backstab. Ok, bah foncez. Hein. Ils sont tellement sur deux qu'ils vont refuser la paix un certain temps, ils vont perdre de la flotte, des ressources, on ira juste après. Ah oui, complètement. Hein. Ils vont sûrement vouloir chercher une paix blanche. Ça dépend ce que demande l'Empire déchu, parce que ça se trouve ils demandent juste à relâcher une planète. C'est ça. Je voudrais bien des minéraux pour la flotte de Fédé. Ça marche. Les gars, vous avez bien pensé à ramener vos armées? Oui, mes armées elles sont là. Oh génial, merci pour l'énergie mec. Elle est à 20k là, la flotte de Fédé. Dans 5 ans, je peux te passer d'Arfiche. Putain, les gars, vous deux, vous êtes à 100 000 de flotte, quoi. J'ai l'impression d'être un secteur semi-autonome de Masmas. c'est ce que toi et Taora. C'est exactement ça, Duncan, tu viens de toi. Ah, tu vois, Taora, il fait un vrai pays, mais moi, je suis juste une enclave deux, semi-autonome, tu vois, une principauté. Les deux, je vous ai vu. Clairement, votre game, vous me la devez, un monde de catin. Côté, encore une planète capturée, on est à 100%. Parfait. On manquera jamais d'énergie. Je viens de terminer la dernière tech et je fais déjà du plus 126 alors qu'ils sont même pas niveau 4. Je vais t'envoyer 3000 de minéraux, Rome. Bon, elle est à 26k déjà, la flotte de Fédé. Comment d'autres clones y a consciente. La guerre, mes amis, la guerre. L'Empire déchu qui attaque Chouan, je le vois uniquement en supérieur en flotte. Hein. S'il a attaqué, c'est qu'il s'est réveillé, non? Non, il s'est pas réveillé. Non, pas forcément. Ouais, mais Pépé, il a que 75 et les Empires déchus, je te rappelle. Ah ouais, non, mais on les recte, hein, là. Duncan, ensuite Aura, ok? T'as plus le droit de perdre ta flotte sur une erreur de micro, Duncan. Duncan, t'as cramé ton Joker, tu sais, après on rappelle les Gavlov. T'as engagé le spatioport, t'as un boulet. Bah, il m'a engagé tout seul. Merde, je t'ai dit de pas bouger. Ah, vous avez déclaré la guerre à l'Empire déchu. Ouais, ils sont chauds. Allez, les Zouaves, on peut y arriver. Toujours plus de minéraux. Mes bombardiers se sont perdus. Bah, ils partent. Où est-ce qu'ils vont? Non, ils vont attaquer le spatioport. Bah, sachant qu'ils partent vers l'extérieur du système, à l'opposé du spatioport. Bah, le spatioport sur l'autre système. Taora, il va faire en sorte qu'on prenne 4 fois plus de pertes. Mais revenez, bande de sodomites! Mais putain, bande de lâches, revenez! Oh, Pessini entre Arlegis et Gavlov, d'accord. Taora, toi, tu prends que la flotte. T'es puni. Fanatique pacifiste, mais d'où t'existes, toi? C'est une planète de Tarlouse. C'est eux qu'on a mis dans les bombardiers. Ils sont toujours pas revenus, d'ailleurs. ils font du tourisme. Ce foutage de gueule, quoi. Masmas a dit garde à vous, tout le monde s'est tiré. Le légendaire charisme de Masmas. Bon, replie tes armées, les perds pas, Duncan. Le Fallen Empire est encore en flotte supérieure, hein. Il n'y a pas eu de grosse bataille encore. Hein. Et vous pouvez regarder la flotte d'une autre si vous voulez. Bah non, on le voit pas. Celui qui est au sud de chez vous? Ah non, je le vois pas malheureusement. Bah il est en pathétique. Putain, vous avez mangé sa flotte, c'est fat. Il avait combien, 60 000? 66 000. Ils ont tous 66 000, sauf l'Empire déchu qui est complètement bloqué par Chouan le Rouge, qui a 120. Bah, c'est 12 mois, j'ai les IA conscientes, je suis passé à 60% de recherche. Rome... Putain, mais ce que je feed, quoi? Masmas, t'as encore de l'énergie un peu, pour moi? Masmas, t'as de l'énergie pour quelqu'un? Ah tiens, encore 3000. C'est trop généreux, voyons. C'est le but de mon gameplay aussi, hein. C'est pas pour toi, c'est pour Afédé. C'est ça, hein. C'est comme ça qu'il faut penser à Stellaris, mec. Pendant ce temps-là, le Fallen de Chouan... Pathétique! Ça y est, ils ont mangé sa flotte! Ah putain! On y va? S'il n'y a plus de flotte, vous pouvez récupérer des planètes qu'ils auront pas. C'est ça, hein. Ça serait intéressant d'attaquer Polgara par exemple. Envoie ma flotte à Sitonis.
Régale-toi de mes minéraux. Vassalisation de Darfish. Oh, non seulement je prends les pertes et je peux même pas profiter des retombées. Ah ouais, parce qu'en fait, on va faire quoi là? On va attaquer qui? Bah, on va attaquer le Fallen Empire. On pourrait prendre toutes les planètes de l'Empire déchu en une guerre. Mais bah voilà. Mais bah, oui, bon, les Empires déchus, tu les règles en une guerre. On y va, bah, franchement. Ouais, bon, ramenez toutes vos flottes, moi je vais à Mira. Ah, par contre, ouais, putain, merde, moi j'aurais bien aimé avoir mes lances à particules avant le début de la guerre. C'est 24 mois. C'est 2 ans. Ouais, tant pis, on peut y aller. Duncan, ramène ta flotte à Adufis. Il a un vaisseau de construction qui reconstruit une plateforme. Il y a des premières flottes qui sont en place? Moi, ma flotte est prête. 20 000? Ma flotte rejoint la tienne. On peut attaquer tout de suite et foncer sur Polgara. Hein. Vu qu'ils ont plus de flotte, faut en profiter. Hein. Je prends tout? Oui, vas-y, carrément. Si, moi, je le vois en pathétique hein, en flotte. Hein. Et ramenez vos vaisseaux de science. Hein. Votez. Vote, yes. Hop là. Oh, il y a des bonnes planètes en plus. Putain, 22, 19. C'était pour moi. Oh, je perds 75 énergie. Je vais aller en vitesse chez le marchand. Et puis je t'envoie de l'énergie. Oh, super, merci mec. C'est bon, je suis à 6000. J'ai de quoi faire pendant un bout de temps. Blindage au neutronium dans 18 mois. Tiens, pépé. Ouh, putain, il y a du monde dans le système. Hein. Oh putain, génial. Merci mec. Il y a aucune flotte dans le secteur. Il a une armée d'invasion à 60. Ça va être facile à péter. Hein. Je vais à Merga, les gars, ok? Merga, okay. Bon, allez, je commence à attaquer. Oh non, mon grand protecteur est mort. C'est un désastre. Oh, il y a une Strike Force là. Ah non, c'est Arlène qui saute dessus. Non, mais c'est Glaps à Merga. Glaps à Merga. Il y a aussi Chouan qui est là avec un vaisseau de science. Je vais pas lui laisser prendre cette planète à la con. Duncan, oui. Où est ta flotte? Chouan est dans la capitale de l'Empire déchu. Hein. Et ouais. C'est la meilleure planète. Oh, yeah, ouais. Oh oui, tous les vaisseaux de science qui sont là-bas. J'aimerais tellement savoir comment ils ont dû s'engueuler pour se partager les techs. Ah ouais. Bah, là, pour l'instant, c'est Chouan qui prend tout, non? Bah tiens, pour changer. Même s'ils essayent de prendre la capitale, on s'en fout, on en aura déjà sécurisé 3. 41 que Battleship. Putain, elles sont où tes flottes, Masmas? Elles arrivent. Ok, parce que... Il y a une peuple. Ils font mal ces enculés là. Bon, je vais prendre bientôt la première planète sûrement. Je suis en train de péter, je sais pas ce que c'est une station de défense ça? Ouais, c'est une station de défense. Non, c'est un avant-poste, non? Ouais. C'est à 3K. Leur flotte, elle se fait un peu bouffer la gueule là, par les deux stations indiquées sur la capitale. Il y en avait 4 de stations au début. Putain, il y a du monde à Osiris, ils ont une belle flotte, hein. Glaps à 18 000 et 10 000, parce qu'il y a la flotte de Fédé. Owind à 24 000 et Chouan à 46 000. Ils ont pas beaucoup de flotte. Non, non seulement ils en ont pas beaucoup et c'est de la tech de merde, je vous avais dit d'y aller. Et on pourrait faire les bâtards alors déclarer la gueule. Vous prenez ne serait-ce qu'une planète, vous pouvez vous masser dessus et les attaquer en même temps que nous et on les prend des deux côtés. Ouais. Non, nous on peut pas faire la guerre, Duncan, reste sage. Oui, bah. On peut y aller les deux fédés en même temps. Hein. Ouais, mais là on prend tarif, on est juste à côté. Justement, tu prends pas tarif, tu mets tarif. Ils sont pas allés réparer. Hein. Ouais, elle est à 35k la flotte de fédé. Tu sais quoi, je vais aller à Ocelius pour leur faire chier. Je vais essayer de prendre les planètes. Que eux nous déclarent pas la guerre dans la foulée. Ils peuvent essayer de prendre la capitale si on arrive à prendre full Baden. Avant eux, ils sont pas sur full Baden. Merga va être sécurisé. Si tu veux, Duncan, tu peux te replier et aller manger des vis pendant que Taora et moi on termine. Ouais, vas-y, on attaque Merga là, les défenses elles sont bonnes là. Et moi j'ai. Regarde ma flotte, mon armée qui arrive, j'ai 52 de. C'est bon, j'ai lancé. Ouais, on va y aller à deux, tu vas voir. Fallen Empire ou pas. Regarde, putain, l'armée qu'on a. Tu l'as mis. T'as un sacré amiral hein. Oh, c'est une nana ça, en plus. Rosé Maria Romero. Leur flotte de fédé est à 11 000 hein. Mon amiral aussi, il est bien beau. Vitesse éclair, logisticien, report et 5 étoiles. Putain, c'est beau, c'est la première fois dans une game multi qu'on va taper les Fallen Empire et tout, tu sais. C'est bon, on a pris une nouvelle planète, Merga est tombée. Je vais essayer de prendre full aback avec Kerberos. Moi je retourne à la base, réparer et upgrader mes flottes vu que j'ai mes lances à particules qui sont arrivées. Ils ont pris la capitale par contre. Ouais bah malheureusement. Je vais voir le score de guerre. On est à 48. Ils sont à moins 55, ils sont à 48. Ils sont comme nous, bah est-ce qu'on peut prendre 3 planètes déjà? Les 3 planètes du nord, ça serait bien. De toute façon normalement il peut pas donner des planètes que vous occupez. C'est oui. Ça, est-ce qu'on peut faire la paix maintenant? Pas maintenant mais on va bientôt pouvoir la faire. Je doute qu'on arrive à faire mieux que ça en fait. Ils occupent une seule planète, on en a 3, mais ils occupent la capitale. On en a que 2 pour le moment, je suis en train de prendre la troisième et on va prendre Foudaban au... Non. Putain les gars, la pression là que vous leur mettez. Oh. Putain mais comment. Eh pourtant ça fait un bout de temps que la guerre a été déclarée. Ils ont branlé quoi les mecs là? Je l'ai dit, ils savent pas jouer. Duncan, tu peux commencer à occuper les planètes. Eh n'empêche, ça c'est Chouan qui allait mettre trop de coups de bite à l'Empire déchu hein. Au final ça nous arrange bien. Bien sûr. Ah oh, bah nous on fait une bonne affaire là. On va récupérer de la bonne tech. Moi je suis content hein. J'aurais été content si Taora avait pas fait de la merde. Et j'ai pas fait de la merde, c'est tes vaisseaux qui ont pris les coups, je comprends pas pourquoi. Arrête de m'accuser. Tes vaisseaux, j'étais en première ligne, j'ai pris beaucoup moins de pertes que toi. Mais pourquoi t'as engagé ce putain de spaceport? C'est lui qui l'a engagé. Il a pas choisi. Et alors pourquoi t'as bougé? Tu choisis pas une fois que c'est engagé. C'est vrai qu'il a une portée monumentale. Attention, Chouan saute sur Merga, les gars. Elle va faire attention à toutes leurs flottes rouges. Ouais, il a rejumpé. Il va falloir se faire attention quand même à ce qu'il nous attaque pas. Hein. On a combien de score de guerre? 70% de score de guerre. Mais attends, il a pris Obshela ce bâtard là. Oui, j'ai toutes leurs flottes sont en train de partir sur Foudaban. Ouais, les gars, attention. Je vous conseille de dégager de là. Ils mettent 10 jours pour descendre sur la planète. Donc en 10 jours, tu continues de bombarder. Ouais, mais j'ai que 6 armées là qui sont en train de se retrouver. Il a fait la paix, c'est la fin. Oh putain, mais t'es à 70%, putain. Non, j'ai eu 2 planètes. Bon bah, c'est Rome qui a récupéré les planètes. Rome, je t'envoie 5000 de minéraux. Hein. La flotte de Fédé est presque arrivée au max. Hein. On est à 388 sur 411.
lance. Et bah là, moi, j'ai mes lances à particules le mois prochain. Je vais pouvoir améliorer mes 40 cuirassés en longue distance. Ça, c'est fat. Alors, ils ont fait du repérage sur ma flotte. Ils doivent se dire, ouais, il a que des croiseurs, on va la manger facilement. Des bons petits cuirassés qui arrivent en réserve, là. Arlanus, tu lags. Non, mais c'est normal, c'est des synchronisations qui font ça. Contre qui la guerre ? Odélis. Putain. Il reste Odélis. Vous faites pas peur. Il a quand même 1200 de flotte, hein. Je vais aller aider Taora. Ah, ça me rappelle la bonne époque de l'infâme qui avait 150 de flotte. Un adversaire redoutable. Et on en avait 10 000. Arlenus, tu veux des minéraux ? Ouais. Je t'envoie 4000. Ah, mais l'infâme, c'était un pote de Davis, hein. Bon, je crois que le prochain objectif, c'est une guerre contre Chouan. Alors, les gars, c'est symbolique, mais j'ai passé les plus 1000 de minéraux par mois. Enculé. La flotte de Fédé est à 41k. Parfait. En plus, ça coïncide avec le fait que je vais plus avoir d'Arfige, donc je vais pouvoir passer des raids de la ronde. Ah, ça y est, flotte upgradée. Ok, on va aller sur Cradle. Vous avez pas encore tué votre Fallen Empire, hein ? Ben non, parce non, on a préféré tous les Starbucks. Bon, arrête. Franchement, là, Duncan n'a pas d'armée. Tu es bête. Oh, Sleepers Away. Il réveille. Ça se réveille. C'est celui qui est à côté de Chouan. C'est celui qui est le matérialiste qui s'est réveillé. Oh putain. C'est le pire. Je vois en supérieur en flotte, tu as 30 000, quoi. Je vois en écrasant. Ah, oui, écrasant. Au revoir, Chouan. Oui, non, mais il va monter à 220 000 de flotte. Au minimum. Je peux demander à devenir un satellite, il serait d'accord. D'accord, le mec il donne tellement en même temps, qu'est-ce que tu veux devenir d'autre qu'un satellite? C'est ma spécialité, le backstab. Bon. Arlenus, minéraux? Ouais, vas-y, envoie là. Envoie, je lance ma production de cuirassé là. C'est parti. Arlenus, tu dois grandir. Oh la vache, Arlenus! Qui vient de manger d'Arfish. Ouf. Quoi? Pourquoi je me fais du moins 53? Oh putain. Ah oui, les secteurs. Oui, les secteurs. Pour connaître que les batailles terrestres sont tellement intéressantes. Ce que je feed, c'est totalement dément, quoi. Étant donné que je vois que l'Empire déchu s'est réveillé à 1 de score. L'Empire n'est pas bugué, il reste pas chez lui d'attaque. Ok, messieurs, ma flotte est améliorée, moi je suis prêt à la guerre contre Chouan quand vous voulez. Bébé, dans 5 mois j'ai le champ destructeur énigmatique. Oh putain! Par contre, est-ce que je peux garder Rulba pour le moment pour avoir un avant-poste de réparation facilement? Ouais, tu peux en garder une. Putain, Chouan aussi, il a sacrément gonflé. Hein. Ah bah oui, bah ouais. Attends, non, pas besoin. Voilà, chaque fédé a son titan en termes de territoire. Ouais. Vous n'êtes que les extensions de ma personne. Par contre, il n'y a qu'une seule fédé qui a un mec à plus de 1000 de minéraux pour feed. Je suis passé à 500 de minéraux, c'est parfait. Quelqu'un a de l'énergie pour pépé? J'ai toujours de l'énergie pour toi. Quelle amitié, c'est magnifique. Il faudrait 1500, voire... Ouais, plus longtemps que tu peux me donner. Non mais c'est bon, maintenant que j'ai l'enclave commerciale, ça me permet de faire le fifou avec ma production de minéraux de taré. Je purge les premières pop de Chouan. Quand tu vois que l'Empire déchu est à 16% de corps de guerre... Ah ouais, mais en fait, pas voir, je vois en overwhelming, le machin. Ouais, c'est un empire réveillé, pépé. Putain, lui, il va pas... Chouan, il va falloir qu'il fasse attention, hein. Quelqu'un a de l'énergie pour moi? Je viens d'en craquer 5000 pour booster ma science. Ah bah tiens, parce que là, j'ai la dose. Bon, il est l'heure de changer de régime politique. Demande-moi 3000 de minéraux à la fin du mois. Oh, oh putain, mais t'es un grand malade! Je me fais plus 300. Waouh, la vache! Toi, mon gars, je vais te filer maintenant. Faut que t'arrives à rentabiliser le plus vite possible tes capacités, là. Ouvre la bouche, tu vas prendre. Oh, tu vas prendre, ouais. Tiens. Comme si tu sortais de prison après 20 ans de réclusion. Oh, tu vas prendre. Hop, j'ai fait un petit avant-poste là. Champ disrupteur énigmatique. Ça se met dans un nombre de placement M. Cadence de tir moins 20%, c'est pas magnifique. 10 mois pour faire les boucliers A. Léon. Elle est dans 20 mois, les synthétiques. Mmh. Comment je vois leur flotte? Chouan, je le vois en supérieur en flotte, mais c'est logique. Owen, je le vois en équivalent. Et il est en équivalent en tech à moi. Glaps, je le vois en équivalent. Et Sir Trist, je le vois en équivalent. Oh, bon, il en est où le Fallen Empire à score de guerre 33? Si j'étais eux, là, moi, je tenterais ma chance pour attaquer le Fallen Empire, là. Non, parce que... non. Il monte à combien, en réveillé? Il monte en 220 000, oh, minimum. Putain. Minimum, ah ouais, bah, hein, il peut aller jusqu'à 1 million de cas. Ouais, bah ils ont intérêt à faire attention. Hein. Je pense que le fait qu'on ait attaqué deux Fallen Empire, oui, ça n'a pas aidé. En fait, les triggers, c'est qu'il faut qu'il y ait un joueur qui ait 50k en normal. Enfin, en 40k au normal. Et puis, quand tu détruis un empire, tu as encore plus de possibilités que ça se réveille. Oui, ça, je crois que c'est 40, 60, 80. Et ça, le pourcentage augmente. Tiens, encore des minéraux, Rome. Je sais plus quoi en faire. Bah, t'as plein de starports à construire, plein de vaisseaux. Envoie-les-moi si tu sais pas quoi en faire. Non, c'est bon. Par contre, là, moi, je suis en déficit d'énergie bientôt. Déclaration de guerre, c'est quoi? Owen Wistiti. Ah ouais, ils en profitent. Ah, ils en profitent, ouais, ils ont raison. Et c'est pour voir la flotte de l'Empire déchu aussi, peut-être. Ils sont pas aussi malins que ça.